Bonjour peuple de Dieu, ce matin j'aimerais qu'on puisse se focaliser sur la fidélité de Dieu. Dieu se limite par sa parole et sa parole c'est justement sa fidélité. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Deutéronomie, Deutéronome chapitre 7 au verset 9. Sache donc que l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observe ses commandements. Il garde sa parole, non seulement vers toi, il dit jusqu'à ta génération future. Alors, regarde-toi dans la situation où tu te trouves. Focalise-toi sur ta fidélité. Quelles sont les promesses qu'il t'a dit? Quels sont les éléments qu'il t'a dit? Tout en sachant que ces promesses qu'il t'a dit vont aller non seulement en toi, mais jusqu'à la génération future. Il dit une chose merveilleuse au livre de 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 7. 1 Corinthiens 10, verset 7. Il dit ceci. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Il dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation de vos forces, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que les tentations qu'il a, il va permettre que vous puissiez la surmonter. Focalise-toi sur sa fidélité et il va intervenir. Déclaration de la longévité. Affirmation. Jésus par son corps, son sang et sa mort a détruit celui qui a le pouvoir de la mort, qui est le diable. Maintenant, Jésus est vivant et il vit à jamais. Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Son esprit vit en moi et remplit mon corps mortel. Dieu a placé devant moi la vie et la mort. J'ai choisi la vie. J'ai la vie en abondance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel dans le pays des vivants. Avec la longévité, Jésus me rassasiera et il me fera voir son salut. Je sers l'Éternel, mon Dieu. Il bénit mon pain et mon eau. Et Jésus éloignera la maladie du milieu de moi. Jésus remplira le nombre de mes jours. Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme c'était avec le patriarche, je me reposerai avec mes parents après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée des jours. Ma force naturelle ne s'affaiblira pas. Ni mes yeux, comme a été l'expérience de Moïse. Car Christ est ma vie et la mort me tient guère. Cependant, que la peur ne me trouble pas, car toutes choses m'appartiennent et j'appartiens à Christ et Christ appartient à Dieu. Amen. Je vais prier pour toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse.